Donc on m'a demandé de faire une intervention sur l'industrie de santé et en quoi elle est stratégique. Donc c'est clair que nous sommes convaincus, nous, qu'elle est stratégique, cette industrie. Certains le disent, hein, le rapport Gallois, mais également le rapport Lauvergeon disent que cette industrie est stratégique. J'essaie de vous montrer, au travers d'une présentation un peu générale, macroéconomique, en quoi, effectivement, cette industrie est stratégique pour la France, mais globalement au niveau monde. Donc, une présentation en quatre parties. Une première partie qui est le secteur en quelques données clés. Hein, vous y avez un repère en termes de données économiques et sociales. Une industrie en mutation profonde, donc effectivement, non seulement liée la mutation économique et la crise économique, mais non seulement dans notre modèle de recherche, je pense que ça a peut-être été abordé les deux premiers jours. Une position française à renforcer d'urgence, hein, si on veut rester un pays stratégique pour les industries du médicament, et puis des atouts à transformer en avantages compétitifs. Donc voilà le plan de ma présentation. Donc simplement là, des données macro. Donc simplement, le chiffre d'affaires mondial en 2013, c'est 640 milliards de dollars. Et on est en croissance de 4,5% depuis 2012. Donc on voit bien qu'on est un marché dynamique, hein, puisque si je regarde sur les 10 dernières années, on a cru pratiquement de 4 à 5% chaque année, malgré la crise économique. Donc on voit bien ce besoin non satisfait en termes de médicaments, en termes de produits de santé, et donc cette appétence, hein, qui se traduit au travers du chiffre d'affaires. Un marché concentré malgré tout, puisque les 10 premiers marchés représentent 78% du marché mondial. Et vous avez derrière, hein, les zones de répartition de ce marché mondial. Et on voit qu'on est globalement dans les marchés, je dirais, développés, puisque États-Unis, Japon, Chine, Allemagne, France, Italie, Canada, Royaume-Uni, Brésil et Espagne. Donc vous voyez que dans ces marchés-là, deux sont des marchés émergents, que sont le Brésil et la Chine. On verra tout à l'heure dans les slides précédentes la proportion que représentent les BRIC, le Brésil, l'Inde, la Chine, dans la croissance à venir du secteur du médicament. Là, vous avez un slide sur les sources d'évolution du marché. Donc sur la période 2007-2011, qui est le tableau, vous voyez comment s'est réparti le marché en termes d'évolution, en termes de croissance. Donc là, le bleu marine, c'est les produits de marque, les produits princeps. Le vert sont les produits génériques. Tout ce qui est rouge sont les marchés émergents, hein, donc les BRIC. Et en grisé, vous avez les autres produits de santé. Et vous voyez que si je regarde donc 2007-2011, 2012-2016, on voit bien que l'évolution du marché proviendra principalement des BRIC, sachant que les BRIC sont consommatrices, elles, de produits génériques et moins de produits princeps. Donc ça, c'est quelque chose à garder, puisque, en fait, la croissance va venir effectivement de ces pays émergents, mais essentiellement sur des produits génériqués et donc sur des produits ne faisant pas appel tout de suite à l'innovation. Là, vous avez la contribution à la croissance. Donc là, on est uniquement sur les marchés développés. Hein, donc on n'a pas nos fameuses BRIC. Et vous voyez que sur la période 2007-2011, vous voyez la part que représentait l'Europe, hein, et la part que représentent les États-Unis. Et sur une période de 2012-2016, pardon, on voit bien que la part de l'Europe en termes de croissance, de consommation à croissance, est en diminution forte, hein, uniquement liée à la problématique de solvabilisation de l'offre et de l'équilibre des comptes sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, parce qu'on voit bien, après, je dirais, la stratégie économique en termes de business plan, que peuvent faire nos industries, nos entreprises pour aller s'implanter sur les marchés émergents. Quelques principes qui, je dirais, dirigent et drivent, hein, notre industrie. Une industrie fondée sur la recherche et l'innovation. Il n'y a pas d'industrie du médicament s'il n'y a pas de recherche et d'innovation, c'est très clair. On n'aura pas une pérennisation de cette industrie si on n'investit pas dans la recherche et l'innovation. Nous avons des dépenses thérapeutiques de santé publique fortement attendues, donc il y a encore des parts de découverte relativement importantes. Je ne vais pas le détailler parce que vous êtes mieux placé que moi pour les avoir identifiées. Des ruptures décisives en matière de recherche et d'évolution du modèle économique de l'innovation. J'y reviendrai, on est en plein bouleversement de notre modèle de recherche. C'est-à-dire le modèle de recherche qu'on a connu jusqu'en 1995, 2000, 2005 est totalement bouleversé. Hein, toute cette recherche internalisée, ces grands centres de recherche, aujourd'hui n'est plus le modèle, puisqu'on va essayer de rechercher des structures beaucoup plus productives, beaucoup plus efficientes. Et là, on va effectivement voir s'accroître tous les partenariats publics-privés et les différents contrats de recherche qu'on a avec des petites structures. L'approche nouvelle de la sécurisation et de la gestion du risque, et ça, c'est effectivement un point important qui va driver notre conduite. Une compétitivité entre filiales au sein des mêmes entreprises autour de l'organisation du partage et de la valeur. C'est très clair, aujourd'hui, notre industrie, elle est mondialisée, elle est totalement internationale. Et bah, écoutez, chaque filiale est concurrencée au sein de son groupe. Donc quand j'ai une molécule qui va sortir sur le marché européen, elle sera effectivement
concurrencer entre un site de production qui peut se trouver en Allemagne ou en Angleterre et la France. Et donc là, on aura cette concurrence pour apporter la production sur le pays, sur le territoire Europe, pour autant qu'on ait bien un découpage en termes de stratégie sur le territoire Europe. Et puis des choix de business développement entre diversification et focalisation. C'est clair que dans le relais de croissance de nos firmes, lorsque vous avez un produit qui tombe dans le domaine public, donc qui va être génériqué, et que n'arrive pas forcément juste au même moment sur le marché une molécule qui prend le relais en termes de croissance, eh bien on va avoir des stratégies d'entreprise qui vont être sur soit je me diversifie, soit je me focalise. L'exemple que vous pouvez prendre, c'est l'exemple de Sanofi, avec l'arrivée, la perte du brevet de Plavix, qui était un des médicaments phares de Sanofi. On a bien vu cette stratégie de se diversifier dans le vaccin, dans le vétérinaire et dans le complément alimentaire, pour trouver ce relais de croissance, pour maintenir sa R&D et revenir sur des produits à forte valeur et des produits innovants. On a regardé quels étaient les besoins non satisfaits importants et donc les défis thérapeutiques nouveaux. Donc quand on regarde ce qu'il y a dans le pipe de nos sociétés. Donc là, on vous a listé simplement les grands domaines thérapeutiques sur lesquels on est aujourd'hui en termes de recherche, en termes de produits. Donc l'obésité, le diabète, l'insuffisance cardiaque, le cancer, et là c'est lié au plan cancer qu'on a connu successif au niveau de la France, les affections psychiatriques, les affections neurologiques et puis les maladies inflammatoires. Pour autant, ce n'est pas exhaustif et ce n'est pas exclusif de ce qu'on peut trouver dans des structures beaucoup plus petites, beaucoup plus réactives, notamment en matière de maladies rares ou maladies orphelines. Donc, un des risques, une exigence de progrès thérapeutique avec un développement d'une intolérance au risque, ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau qu'on a vu arriver depuis maintenant une dizaine d'années, puisque chacun d'entre nous et nos concitoyens, il y a un changement de société de ses valeurs. On a et on connaît de plus en plus maintenant cette aspiration légitime au mieux-être, au bien-vivre. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, nos concitoyens ne se posaient pas forcément de questions lorsqu'on prenait un médicament. Et là, aujourd'hui, il y a une transparence qui est demandée de la part de la société civile en disant « Mais attendez, je prends un médicament, quel est le risque ?» Et ça s'est accru effectivement depuis 2009 avec l'affaire Mediator. Donc on doit répondre à cette question qui provient de nos concitoyens. Et ces concitoyens, enfin nous-mêmes, on a cette capacité à aller chercher cette information qui est totalement disponible sur le net, alors avec une véracité différente en fonction du support. Mais ce questionnement va arriver et on doit apporter les réponses dans ce cadre-là. Et ça revient au deuxième point, qui est la participation croissante des patients citoyens. Et également, ce qu'on note, c'est cette volonté maintenant des professionnels de santé d'avoir cette même information, puisque ces professionnels de santé vont recevoir les demandes des malades ou des patients, mais n'ont pas forcément l'ensemble, n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément la capacité et les supports pour répondre. Donc on voit bien cette appétence des professionnels de santé d'aller aussi être destinataires de cette information. Et puis, développement d'une société de la précaution, un risque subi vers risque accepté. Qu'est-ce que je suis prêt d'accepter par rapport aux médicaments que je prends ? Une autre problématique est la judiciarisation de la santé, ce qu'on connaît bien aux États-Unis, avec un projet de loi qui arrive au niveau de la France sur les actions de groupe. Et donc, les firmes devront apporter là également une réponse, mais également se protéger par rapport à ce nouveau risque juridique. Et puis, tout ce qui est le débat éthique autour du progrès. Alors, je vous le disais, la nouvelle dynamique de l'innovation et les nouveaux modèles de recherche, bien évidemment, développement des biotechnologies, des nanotechnologies, pardon. Pour autant, on n'est pas encore dans une époque où les biotechnologies vont supplanter la chimie classique. On a encore une pharmacopée qui est très largement assise sur la chimie classique. Pour autant, ces nouveaux médicaments issus des biotech viennent et prennent une part importante. Simplement, pour que vous preniez un petit peu la différence, c'est que ces produits biotech sont aujourd'hui des produits à faible volume, mais à forte valeur, alors que nos produits plutôt classiques de chimie classique étaient des produits à fort volume et à faible valeur. Donc en termes de production, on aura une conséquence, puisqu'on n'a pas besoin de produire autant de médicaments, de biotechnologies qui sont ciblés, que des produits chimiques. On a également une multiplication des partenariats croisés sous formes diverses. Ce que je vous ai dit, on voit cette croissance des contrats de nos firmes, de nos entreprises avec des structures plus petites, soit publiques, soit privées. Je pense qu'Isabelle en a peut-être parlé, d'autres en ont parlé. Développement de la recherche précompétitive, émergence du modèle intégré, recherche translationnelle et multidisciplinaire. Tout ça pour faire quoi ? Pour faire face à des coûts exponentiels de R&D,
Hein, donc il faut effectivement que notre recherche, face à des coûts, une recherche qui coûte plus cher, eh bien, qu'elle soit plus productive, plus efficace, plus efficiente, d'où cette volonté de s'asseoir sur des structures plus petites. Hein. Et puis l'accès au capital et au marché boursier, c'est une vraie problématique. Hein. Aujourd'hui, on est dans le médicament plutôt... Lorsque vous savez que vous avez identifié une molécule et qu'elle arrive sur le marché 8 à 10 ans après, c'est plutôt du moyen terme, alors que nos capitaux, nos investisseurs, eux, veulent un retour court-termiste. Donc on a cette problématique, je dirais, de faire s'accorder la problématique de l'investissement et la problématique de la R&D qui prend plus de temps. Et puis l'importance essentielle de la propriété intellectuelle, puisque sans propriété intellectuelle, c'est clair qu'il n'y aura pas d'innovation, il n'y aurait pas de recherche innovation, puisque dès lors que nos produits seraient mis sur le marché, ils pourraient être pillés. Donc nous sommes des ardents défenseurs de la propriété intellectuelle au niveau mondial. Alors toujours sur notre modèle de recherche, donc la mutation liée à l'innovation, l'innovation ne repose plus sur la recherche de médicaments de masse, hein, mais s'illustre désormais, et là je vous ai mis des exemples, dans des médicaments au mode d'action très ciblés, spécifiques, vous l'avez vu, ou à des recours à la génétique ou aux cellules souches. Donc on voit bien qu'on est sur des médicaments de plus en plus personnalisés, hein, avec cette problématique en termes de production. Comment je fais pour transformer mon outil industriel? Cette innovation nécessite de réformer nos modèles de recherche, donc améliorer la communication et faire évoluer nos organisations pour gagner en compétitivité. Et là, je prends le modèle que vous connaissez peut-être, qui est le modèle de Sanofi, hein, qui est en pleine transformation, en pleine mutation, avec effectivement une multiplication des contrats et une fermeture d'une recherche à Toulouse, hein, pour effectivement essayer d'avoir une fertilisation beaucoup plus grande avec des recherches des partenaires extérieurs et des sociétés extérieures. Et puis évidemment une concurrence accrue avec les pays émergents. Alors, je reviens maintenant un petit peu sur la France et ce que représente l'industrie du médicament en France. Donc le chiffre d'affaires en 2013, c'est 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est important de voir, c'est que ce chiffre d'affaires se décompose essentiellement avec une partie à l'exportation, puisqu'on a pratiquement un peu plus de 26 millions d'euros à l'exportation. Donc nous sommes un pays exportateur. Hein, donc ça veut dire que la différence est faite sur le marché intérieur. On contribue de façon positive à la balance commerciale, puisque là, vous avez les chiffres. Hein, l'excédent commercial en 2013, c'est 9 milliards d'euros dans la balance commerciale. Donc c'est quelque chose d'important et c'est effectivement ce qui vous prouve que l'industrie est stratégique puisque aujourd'hui elle rapporte hein, dans le secteur économique au niveau français. Deuxième exportateur français, les investissements de R&D c'est 4,3 milliards d'euros. Les chiffres 2011, on n'a pas les chiffres 2012. Deuxième investisseur de la recherche privée en France, j'ai un tableau tout à l'heure. Et les effectifs au niveau de la profession, on est un petit peu plus de 100 000 collaborateurs. Ça c'est les chiffres 2012. Les chiffres 2013, on est un peu en diminution. Sur les effectifs totaux de la profession. Et puis nous avons 224 sites de production sur le territoire national. Là, vous avez un schéma qui vous montre en fait que le secteur n'est pas forcément très concentré. On aurait pu imaginer qu'un secteur aussi mondialisé que celui-ci soit très concentré, à l'image ou à l'instar de ce qui se passe dans le pétrole. Vous avez 5 firmes pétrolières mondiales. On pourrait imaginer qu'on ait 5 entreprises pharmaceutiques. Ce n'est pas le cas, puisque vous voyez que 1000 entreprises dans les années 50, on a 300 entreprises sur le territoire aujourd'hui qu'on a recensées, et un tiers du chiffre d'affaires France est réalisé par 5 entreprises. Donc on voit bien que ce n'est pas très concentré. On va vers une concentration. Hein, toutes ces grandes fusions qui sont annoncées, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas par rapport à l'actualité que vous avez pu voir ces dernières semaines. Mais on voit bien qu'il y a encore une capacité à se concentrer. Pour autant, on n'arrivera jamais dans le modèle pétrolier que je vous ai cité tout à l'heure, parce qu'on voit bien que dans les choix économiques et stratégiques, on va toujours avoir une place pour les petites structures qui vont, elles, aller sur des marchés de niche ou sur des produits de niche. Hein. Donc on aura toujours cet étiolement d'entreprise et qui va fertiliser la recherche. Là, on vous a mis très rapidement les entreprises au niveau mondial et donc vous avez le top 10 des entreprises et vous voyez que simplement, si on regarde Focus française, Sanofi est le troisième. Là, vous avez la répartition des exportations françaises de médicaments par zone géographique hein, au niveau de la France. Et vous voyez que quand même, globalement, on exporte nos médicaments fabriqués en France majoritairement, très largement, majoritairement vers l'Europe. Et puis après, des marchés qui sont des marchés un peu historiques hein, au niveau de l'Afrique. Et puis, voilà ce qu'on peut dire de ce slide, ce qui est important, puisqu'on a toujours l'impression qu'on exporte plutôt vers les pays de l'Europe du Nord et les pays de l'Afrique du Nord. Hein, ce qui n'est pas le cas, on est vraiment majoritairement sur l'Europe. Simplement deux effets
d'entraînement qu'on a pu identifier au travers d'études que nous avons menées, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'un euro supplémentaire produit dans l'industrie du médicament génère 3 euros de valeur supplémentaire dans le reste de l'économie nationale. Hein, donc lorsque j'investis un euro dans la pharma, c'est 3 euros investis dans le reste de l'économie. Donc il y a effectivement cet effet d'entraînement qui est important. Et puis un emploi dans la pharma créé, c'est 4,5 emplois dans le reste de l'économie au niveau national. Donc on voit bien cet effet d'entraînement qui peut nous faire dire que cette industrie est stratégique. Un petit schéma pour vous faire comprendre l'excédent commercial de la France. Donc, je disais tout à l'heure que nous avions 9 milliards d'euros d'excédent commercial. Et là, c'est simplement pour illustrer de façon pédagogique. D'abord, vous montrez bien qu'on a augmenté l'excédent. On est passé de 7,1 à 9 milliards. Et de façon pédagogique, vous montrez ce que ça génère en termes de balance commerciale. Là, vous avez les emplois, donc près de 24 000 emplois dans la recherche en France. C'est pratiquement 26% de nos effectifs qui travaillent dans la R&D. Et ce qui nous positionne, vous l'avez vu dans le slide précédemment, en deuxième secteur industriel investissement dans la R&D. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui montre bien qu'il n'y a pas d'industrie du médicament sans recherche. Là, vous avez la localisation des effectifs sur le territoire français qui sont, somme toute éclatés, mais on note bien, si vous voulez, deux gros bassins, un bassin de production qui est la vallée de la Seine, la vallée de la Loire, qui est plutôt de la production classique chimique, et puis vous avez effectivement la région Rhône-Alpes, qui elle est plutôt sur les biotech, et si j'avais mis la Suisse et l'Allemagne, on aurait eu là un gros bassin de production, et plutôt biotech, avec une zone importante frontalière avec l'Allemagne et la Suisse, où il y a quand même pas mal d'industrie. Donc voilà sur la ventilation de nos effectifs sur le territoire. Simplement cette slide pour vous montrer que ça, c'est les nouveaux médicaments enregistrés au niveau de l'AMM. Je ne sais plus ce que je vais montrer. Si c'était la répartition du portefeuille des nouveaux produits par rapport aux axes thérapeutiques. Donc en termes de recherche, vous voyez que si on regarde simplement sur le schéma, on est quand même, par rapport à la liste que je vous ai faite tout à l'heure, on est quand même sur ces maladies. Et vous voyez que les maladies rares représentent quand même 22% en termes d'innovation. Alors, on en a déjà parlé, donc je vais aller vite sur le modèle économique et la mutation du modèle économique et R&D, mais on va peut-être quand même focuser là-dessus. Simplement, là, vous avez le schéma peut-être qui vous a été montré ces deux derniers jours, non ? Donc ça, c'est le schéma de la découverte d'un médicament. Donc là, on est à la temps zéro où j'ai identifié ma molécule. Et puis là, après, sur la vie du médicament, puisque vous savez que le médicament, dès lors qu'il est enregistré au niveau de l'INPI, il a une durée de protection de 20 ans plus 5 ans complémentaires, donc 25 ans de propriété intellectuelle. Et donc, on a fait cette fourchette-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, entre le moment où vous identifiez une molécule et le moment où elle arrive sur le marché, vous avez à peu près 10 ans. Et après, vous avez la courbe de commercialisation. Alors, ce qui est intéressant sur ce schéma-là, que vous le compreniez, c'est qu'en rose foncé, vous avez ce qui se passait dans les années 90. Donc, ce qui se passait dans les années 90, c'est que le médicament arrivait à peu près 12 ans après sa découverte sur le marché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les délais pour arriver sur le marché après 10 ans pour accroître notre phase de commercialisation. Et puis, vous voyez aussi également que notre phase de commercialisation dans les années 90, elle démarrait lentement. Elle avait un pic qui pouvait durer un peu plus longtemps et elle durait pratiquement jusqu'à la 25e année. Et là, vous voyez que sur cette courbe-là, elle monte plus rapidement parce que ce sont des médicaments innovants qui arrivent sur le marché avec une sorte de courbe de hausse et elle baisse très rapidement. Et en revanche, vous avez les entrées de génériques qui arrivent beaucoup plus rapidement. Donc notre phase de commercialisation, même si on l'a accrue de 2 ans, elle s'est réduite. Et vous verrez tout à l'heure sur un slide, la phase de commercialisation, c'est ce qui est important parce que c'est ce qui va financer ma recherche. Et là, je vous ai pris une molécule qui est arrivée sur le marché. Mais combien de molécules sont identifiées, on dépose le brevet et qui n'arrivent pas sur le marché. Donc tout ça, effectivement, il faut le financer et c'est financé grâce aux molécules qui arrivent sur le marché, qui sont commercialisées. On verra tout à l'heure, vous verrez la zone de risque concernant nos produits. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que cette phase-là, pratiquement, elle est incompressible puisque là, vous avez tous les essais, phase 1, phase 2, phase 3, et que de façon, en termes de sécurité sanitaire, vous ne pouvez pas les raccourcir. Donc, qu'est-ce qu'on joue quand on joue sur la réduction du délai de commercialisation ? On joue uniquement sur les délais administratifs. Et vous le verrez tout à l'heure, on a des délais administratifs en France relativement longs. Si vous faites le parallèle avec l'industrie automobile, si vous la connaissez, vous le prenez dans les années 90, pour sortir un modèle, une voiture, il fallait 4 ans de R&D. Aujourd'hui, pour sortir une voiture, il faut 12 à 18 mois. Donc, on voit bien que l'industrie automobile, elle a réussi à raccourcir ses délais
de R&D hein, pour avoir une durée de commercialisation plus longue. Mais comme nous, hein, l'industrie automobile, elle a une durée de commercialisation qui s'est raccourcie, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, un modèle de voiture, il fait 3-4 ans en termes de commercialisation et après, il change. Donc là, c'était également, je me presse, 10 000 molécules appelées une seule élue. Hein, c'est ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une molécule déposée pour 10 000 screenées. Et vous avez là l'ensemble, hein, en termes de durée, ce qui se passe en termes de recherche. Hein, donc vous voyez bien que toute la recherche exploratoire, test préclinique, recherche clinique, et là, on arrive dans la commercialisation du produit. Ça illustre un peu plus de façon détaillée le slide d'avant. Et là, vous avez toute la zone de risque hein, du médicament. Et on vous l'avait là, zone de risque financier, qui vous explique bien qu'en fait, eh bien, le produit, effectivement, peut paraître cher. Mais le produit peut paraître cher. Pourquoi ? Parce qu'on doit pouvoir payer notre R&D, mais également payer la R&D des médicaments qui n'arrivent pas sur le marché. Pour autant, pour lequel il y a eu de la recherche. Hein, donc vous avez là la recherche, la découverte, la sélection, le développement, tout ce qui est les phases d'essais cliniques, d'enregistrement et de remboursement, hein, et là, avec une zone maximale de risque, l'intervention des autorités, et puis après, notre système de commercialisation. On va passer vite, puisque ça, je vous l'ai dit, hein, sur les traitements personnalisés et nouveaux médicaments. Donc, il faut simplement retenir que nos nouveaux médicaments sont plutôt des médicaments à forte valeur et faible volume, qui est une problématique après, effectivement, de coût et de prise en charge. Donc là, la conséquence hein, sur nos économies, c'est que tous les entreprises sont fragilisées par la disparition des blockbusters. C'était nos fameux médicaments chimiques qui rapportaient $1 milliard de chiffre d'affaires et qui étaient administrés à des milliers de personnes. Là, aujourd'hui, effectivement, ces blockbusters tombant, il faut avoir ce relais de croissance. Donc avoir des produits relais dans le pipeline, procéder par votre croissance externe et devenir une proie. Donc voilà ce à quoi aujourd'hui sont confrontées nos entreprises lorsque leurs produits phares tombent dans le domaine public. Là, vous avez sur cette slide-là l'illustration de ce que je viens de dire. Hein, donc entre 2005 et 2014, on a constaté que les blockbusters qui sont tombés dans le domaine public, donc qui ont été génériqués, c'est une perte de $131 milliards de chiffre d'affaires. N'oubliez pas le camembert du premier, hein, c'est le chiffre d'affaires mondial, c'est 640. Donc vous voyez que c'est quand même relativement important. Hein. On a perdu 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, si je regarde, pas sur la même période malheureusement, parce que je n'ai pas issu jusqu'en 2014, l'essor des blockbusters, des multibusters, donc toutes nos nouvelles molécules issues de la biotechnologie, hein, ça a rapporté, on a découvert, on a mis sur le marché entre 82 et 137 molécules. Et ces 82 et 137 molécules, malheureusement, en termes de chiffre d'affaires, ne viennent pas compenser le chiffre d'affaires perdu par les médicaments, je dirais, les blockbusters de l'époque. Donc on a une vraie problématique de relais de croissance à trouver. Et puis là, je vous l'ai déjà dit, hein, le choix des entreprises en fonction de leur situation. Très rapidement, pour vous illustrer en fait cette problématique économique hein, liée à la chute des brevets, vous avez deux exemples hein, avec Pfizer et Sanofi, avec deux produits phares qui ont fait le succès des dernières années de Sanofi et de Pfizer. Et vous voyez que dès lors que le produit tombe dans le domaine public ou est génériqué, vous voyez, regardez, en 2012, c'est moins 61% de chiffre d'affaires pour Pfizer. Et également en 2012, c'est moins 45%. Donc il y a une vraie problématique de relais de croissance à trouver lorsque j'ai un produit qui tombe dans le domaine public. Là, c'est simplement pour illustrer ce que je vous ai dit juste précédemment. On va aller vite. Sur le cadre géopolitique, hein, l'industrie du médicament donc, s'affirme de plus en plus comme un secteur d'activité stratégique, au même titre que la défense, les télécommunications et l'énergie. Et d'ailleurs, on est comparé par rapport à ces industries-là en termes d'investissement. La concurrence ne s'exerce pas seulement entre entreprises, elle s'exerce également entre États. En 15 ans, nous sommes passés d'une demi-douzaine à une vingtaine de puissances pharmaceutiques. Et ça, c'est clair aujourd'hui, et on le voit très bien, dans le choix des implantations de nos firmes, notamment dans les pays émergents. Et donc, sauf à accepter une dépendance sanitaire, les États sont donc amenés à équilibrer les impératifs de maîtrise des comptes sociaux et les enjeux de politique industrielle. Je ne sais pas si, Isabelle, vous avez parlé de la problématique de pénurie de stock des médicaments. Non, mais c'est clair que ça a une conséquence sur ce point-là, hein, puisque vous pouvez imaginer que lorsque vous avez une demande forte de médicaments, vous êtes exportateur, vous irez peut-être effectivement vendre vos médicaments sur le marché qui est le plus attractif pour vous en termes économiques. Hein. Donc c'est aussi une autre stratégie, celle de la géopolitique que l'économique.
Alors là, vous avez une décision par nature complexe, hein, où on voit entrer le jeu plusieurs critères dans les décisions des pays industriels. Donc les scientifiques, hein, qualité de l'appareil de formation, qualité de la recherche publique, possibilité de nouer des partenariats publics-privés, l'économique et les sociaux et environnementaux, c'est vraiment les facteurs qu'on retrouve lorsque les entreprises ont à faire un choix d'implantation ou un choix d'instrumentalisation ou d'implantation de sites. On va retrouver systématiquement toujours ces quatre critères-là. Le premier critère scientifique, la France est plutôt bien placée, hein, et c'est reconnu comme tel, comme étant un élément d'attractivité de la France. Sur l'économique, c'est clair qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, on est plutôt dans un contexte qui n'est pas attractif, puisqu'on a une problématique d'accès au marché, de remboursement et de prix. Au niveau social, on a effectivement là des critères qui sont plutôt effectivement favorables à la France. On a peut-être cette image de dire que le coût du travail est cher en France, mais à côté de ça, on a une manœuvre qualifiée. Et ça, c'est très valorisé à l'extérieur. Et puis, au niveau environnemental, c'est effectivement... Alors, si on regarde de notre prisme, c'est plutôt bénéfique, puisqu'on fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui est gestion de l'eau, gestion de l'environnement. Mais pour autant, ça ne nous rend pas compétitifs par rapport à d'autres pays européens. Et pas si loin que ça, vous prenez la Tchéquie ou la Roumanie, hein, qui sont aujourd'hui des pays qui sont en s'industrialiser, qui concurrencent la France sur le front de la production. Donc en synthèse, hein, trois facteurs clés compte tenu des spécificités du secteur, l'eurocompatibilité et plus généralement la conformité aux standards internationaux, la lisibilité et la prévisibilité. Voilà ce que nous demandent nos firmes aujourd'hui, hein, lorsqu'elles vont investir sur le territoire France. Elles nous disent attention, il faut que ce soit eurocompatible, il faut que le domaine France soit compatible avec ce qui se passe au niveau européen. Il faut qu'on ait la lisibilité, savoir où on va et comment on va, dans quel contexte économique on va, notamment lorsque on a une fixation des prix ou de remboursement, et on puisse prévoir ce qui va se passer. Donc voilà les éléments drivants sur l'économie. Là, je vous ai mis une troisième partie des positions françaises à renforcer d'urgence. C'est les signaux d'alerte qu'on a pu constater, qu'on a fait au travers d'études avec Roland Berger, qui sont un peu alarmants, puisque là, vous avez sur le premier item, donc sur 47 AMM qui ont été déposés au niveau européen, on n'a aucune de ces AMM qui a été enregistrée pour être produite en France. Et ça, c'était en 2012. Ce même chiffre-là, nous l'avons sur 2013. Sur 2013, c'est 53 AMM qui ont été déposés au niveau européen. Et sur ces 53 AMM, il n'y en a que 4 qui ont été déposés pour être produites en France. Sur ces 4 produites en France, on avait 2 du LFB, ce qui est logique puisque l'LFB n'a pas d'autre site de production qu'en France. Donc vous voyez bien cette fragilité qu'on a d'attirer de nouvelles productions en France et des médicaments issus des biotechnologies. Sur les 25 AMM de génériques déposés au niveau de l'EMIA, donc là c'était produit principe, au niveau de l'EMIA, 8 peuvent être conditionnés en France. 70% des sites sont positionnés sur des moins de 3 formes galéniques, essentiellement des formes sèches. Donc ça c'est une fragilité de notre tissu industriel. Hein. On est principalement sur les formes sèches et pas sur les autres formes galéniques. Et puis les 2/3 des références produites ici sont considérées comme matures, puisqu'on a une moyenne de 18 années d'ancienneté de des produits fabriqués sur le territoire France. Et puis la valeur ajoutée de la production pharmaceutique en France a chuté de 18 points depuis 2000. Donc ça, c'est vraiment des signaux d'alerte, hein, qu'on partage avec les pouvoirs publics en disant « Attention, comment faisons-nous pour attirer ces nouvelles molécules pour être produites en France, pour pouvoir remplacer les molécules qui vont tomber dans le domaine public et qui ne seront pas forcément fabriquées sur le territoire ?» Sur la recherche et le développement de médicaments, donc la recherche clinique est une priorité, une condition de l'attractivité de la France pour la recherche. Je pense que ça a peut-être été détaillé, on va les passer très vite. Un facteur contribuant à la qualité des soins, à la formation continue des médecins, investigateurs et de leurs équipes, à la notoriété des établissements hospitaliers, ça c'est un vrai atout. Et puis une source de financement, hein, une structure dédiée à la recherche clinique, surcoût mais des médicaments expérimentaux et des emplois. Je vais passer très vite alors Isabelle, si j'ai plus que 5 minutes, pour vous laisser peut-être le temps de poser des questions. Ça on va passer très rapidement, vous avez là les délais administratifs sur les médicaments. Simplement, là, sur la politique d'accès au marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre politique d'accès au marché en France n'est pas forcément attractive et pas vue de façon attractive ou en tout cas favorable par nos sociétés étrangères. Donc un accès à l'innovation freiné, moins de produits accèdent au remboursement au niveau français. Hein, 39% des produits évalués en primo-inscription en 2011 ont reçu un avis défavorable au remboursement contre 11% en 2010. Donc on voit bien cette augmentation, hein, et donc ce frein à déposer nos produits et à obtenir une inscription. Donc qui limite l'accès des patients à des nouveaux traitements, puisque sur les 20 AMM délivrés par l'EMIA en 2010, 16 ont été évalués par la commission de transparence,
et 5 n'ont pas été remboursés en France, alors que ces produits ont été lancés en Allemagne ou en Suède, donc très proche de nous. Donc ça, effectivement, c'est plutôt des signaux négatifs. Là, vous avez les délais moyens d'accès au marché. Vous voyez qu'on n'est pas dans le peloton de tête, puisqu'on est à 316 jours, ce qui est quand même relativement important. Et puis, un autre constat de dégradation, on est un marché en récession en France, puisqu'on a, on est un chiffre d'affaires ville qui est en régression de 2,3% en 2013, après une baisse de 3,3% en 2012. On a effectivement un emploi qui est menacé pour la première fois en 2013 sur la R&D et sur la production. Alors sur la production, on enregistre malheureusement en 2013, une diminution de nos effectifs de moins 0,7%. Et c'est la première fois qu'on enregistre une diminution en production. Donc c'est vraiment un signal d'alarme important. Là, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires dans les principaux marchés mondiaux, parce qu'on pourrait se dire, mais peut-être que la France, le Guyader, vous disent que c'est moins 3,3%, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? On voit bien qu'ailleurs, si vous voulez, en France, la récession s'installe, alors que dans d'autres pays, effectivement, on n'est pas dans ce cadre-là. Vous regardez l'Allemagne, vous regardez les Royaumes-Unis, hein, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, pourquoi la France reste-t-elle en récession et, en tout cas, cette problématique à redresser ses comptes sociaux? Je vais très rapidement aller à la conclusion, Isabelle. Un contexte porteur. Donc, on a effectivement initié une instance de dialogue avec le gouvernement au travers du CSCSF, même si celle-ci, dans un contexte aujourd'hui d'annonce pré-PLFSS, est un peu bloquée. Néanmoins, on a installé ce dialogue pour que ce constat que nous faisons, que je vous ai montré, on puisse le partager avec le pouvoir public et faire en sorte que les éléments d'attractivité soient rétablis. Et donc, les pistes d'action, hein, c'est que l'attractivité ne se décrète pas, elle se démontre. L'attractivité ne se découpe pas, elle procède d'un ensemble de facteurs sur lesquels il faut continuer à travailler, car notre industrie est en pleine mutation. Donc, deux produits, méthodes de recherche, organisation et deux axes. Donc, tirer le plus grand parti des nouvelles technologies et puis aller vers les partenariats, renouer avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, voilà l'action que nous menons pour que cette industrie qui est stratégique et dite stratégique le soit et le reste en France et puisse encore attirer des investissements. Je vous remercie. Thank you.